Hello tout le monde, c'est Ednora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Soldats Inconnus, Frères d'Armes, un jeu développé et édité par Ubisoft. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Soldats Inconnus, Frères d'Armes, c'est le deuxième opus. D'ailleurs, je vous recommande fortement de jouer au tout premier Soldat Inconnu parce que vous verrez, il y a pas mal de clins d'œil. Côté succès, c'est pas moins de 24 pour ce deuxième opus. L'un des succès consiste d'ailleurs à ne ramasser que 30 collectibles, mais il y en a 51 répartis sur tout le jeu. Et perfectionniste que je suis, vous le savez, je vais tous vous les montrer. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite notre belle aventure, vous le verrez, avec notre premier protagoniste. Il s'avère qu'il s'appelle James, et puis je vais vous laisser découvrir un petit peu ce lien particulier avec les autres personnages. Ici, rien de bien méchant, hein, il suffit simplement d'avancer en évitant les bombes. Donc dès qu'il y a un cercle rouge entouré de noir, ben, vous vous stoppez évidemment pour éviter de mourir, ce qui est pas mal. Le premier collectible ici, il n'y en a pas, il se trouvera dans la caserne, mais pas de panique, je vous indique où il se trouve. The last 3 years of war have shown no mercy to either side. The bitter fighting continues across Europe over land, sea, and air, leaving behind mountains of casualties and many more broken souls. The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6th, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the US Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism in hopes of returning home as heroes. James is one of these men. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too backbreaking. It's good to receive news from you and from home. Keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies, afraid that if we stand tall, we might catch a bullet. But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can to stay away from this madness. You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There is nothing here but misery and death. Be safe and stay home, Freddy. Voilà, donc en appuyant sur la touche Y qui s'affiche donc comme indiqué en haut à gauche de votre écran, vous avez les faits. Les faits, il y a un succès qui s'y rapporte, c'est de lire les 45. Alors,
À chaque fois dans cette vidéo, je les lis, mais ça ne sert à rien puisqu'ils n'ont pas été validés. J'ai dû retourner par le menu principal pour le faire. Je vous le montre d'ailleurs en fin de jeu. Donc, ne perdez pas de temps à les lire, ça ne sert strictement à rien. Par contre, vous allez voir un petit peu plus tard, nous avons les objets, ça c'est très important, les objets ce sont les collectibles. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y en a 51 qui sont disséminés un petit peu partout dans le jeu, mais il nous en faut que 30 pour valider deux succès, un qui se déclenche après 5 objets ramassés et l'autre après 30 objets ramassés, mais comme je vous ai dit, j'aime la perfection et donc je vais tous les ramasser. Donc ici, vous voyez les objets, il y en a 3 à collectionner dans ce niveau. On ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, mais voilà, on a une forme plus ou moins précise. Et je vais vous montrer dans cette caserne comment ramasser ces 3 objets. Suivez-moi. Donc, vous le voyez légèrement sur brillance là, sur le poteau en bois, notre tout premier collectible. Pour l'attraper, rien de bien compliqué, hein, vous cliquez simplement sur A. On continue donc notre histoire. Et maintenant pouvoir obtenir votre premier succès puisqu'il faudra simplement terminer l'entraînement. Alors là, rien de bien compliqué, hein. Joystick L vers le haut. Ensuite, nous allons apprendre à taper. Pour ça, vous cliquez simplement sur X. Donc, parfait. Deuxième sac. X à nouveau. Très bien. Attraper une brique avec A. Et puis ensuite, avec RT, vous visez le sac. Et puis, vous appuyez sur A pour lancer la brique. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. On attrape une seconde brique. Et puis pareil, point jaune, c'est OK, on appuie sur A. Génial. Donc on va pouvoir grimper ce petit muret joystick vers le haut. Ici, un collectible, le deuxième. Parfait. Très bien. On va pouvoir continuer l'entraînement. Et ici, le troisième collectible. 3 sur 3, félicitations. Pour la boîte, moi j'avais pas trop compris au début, mais en fait, vous cliquez simplement sur A une fois, ensuite vous dirigez et vous relâchez la boîte avec A. Rien de bien compliqué. Dear Freddy, it's good to hear from you. Sorry to disappoint, but it looks like I'm following you around again. I've already enlisted with the 15th New York National Guard Regiment, or the old 15th, as they call us. We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you win the war. But don't you worry about me. I can take care of myself just fine. Your little brother, James. April 9th, 1917, Vimy Ridge. This geographic stronghold, held by the Germans since the early days of the war, remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones.
Interrupted by George's unconventional landing, Freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar British pilot, now grounded and without a plane to fly. Ten hot hole! Ready? Rapide coup d'œil aux objets que nous allons devoir trouver durant ce niveau. Vous allez voir, il y a une sorte de scie, de coquelicot, d'écharpe disséminée un petit peu partout là. Et puis, nous aurons également le succès où nous avons réparé l'avion. L'avion de ce fameux George, dont on ne connaît pas l'identité à l'heure actuelle, mais on sait juste que voilà. Il s'appelle George. Alors, pour ça, vous voyez, on va tout de suite partir sur la droite et prendre notre premier collectible. Vous allez vous rendre en haut, pour ça, joystick vers le haut. Appuyez sur X une fois que vous êtes près du tonneau. On va pouvoir récupérer ainsi notre cinquième objet, ce qui va nous permettre d'obtenir le succès. Ne jamais oublier. Voilà, donc n'oubliez pas. On casse le tonneau avec X. Et puis, une fois fait, eh bien, on va partir sur la droite pour la suite. Nous devons réparer l'avion et il nous faut donc trois choses. Un moteur, une hélice et une roue. Le moteur, on s'en occupera sur la fin. Donc, vous voyez que le moteur est ici, mais que pour faire, il va falloir débloquer l'échelle et activer la machine pour récupérer le moteur et l'insérer au bon endroit. Pour l'instant, on va aller juste chercher une roue et puis l'hélice. Ici, prenez un bâton avec A et puis un collectible, le coquelicot. On va pouvoir monter et ensuite partir. En hauteur se trouve une roue, il va donc falloir déplacer le bloc sous l'échelle pour pouvoir y accéder, mais avant vous grimpez dessus et se trouvera donc un collectible. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, vous appuyez une fois sur A, vous traînez le bloc et puis une fois que c'est fait, vous relâchez A. Et puis ensuite vous allez pouvoir accéder à l'échelle pour pouvoir récupérer la roue. Pour cela, eh bien, vous appuyez simplement sur A au niveau du rond jaune, on va dire, voilà, pour placer la roue. On ne part pas chercher l'hélice tout de suite. Pourquoi ? Parce que notre personnage ne peut porter qu'un objet à la fois, malheureusement. Donc, on va devoir faire des allers-retours. Donc, voilà, vous placez la roue. Et puis, ensuite, on va pouvoir aller chercher l'hélice. N'oubliez pas, vous avez un bout de bois si jamais vous ne l'avez pas pris de prime abord. Vous allez pouvoir prendre un bout de bois et on va en avoir besoin pour faire descendre l'hélice. Pour ça, vous montez et puis vous partez sur la droite. Ici, collectible, le dernier de ce chapitre. Et puis, vous allez donc lancer votre bout de bois pour récupérer l'hélice qui va tomber au sol. Bien.
L'hélice, c'est bon, on va pouvoir maintenant s'occuper du moteur. Et pour ça, vous voyez, l'échelle, malheureusement, n'est pas tout en bas. Il va falloir donc faire descendre cette échelle. Pour ça, rien de bien compliqué. On va ressortir, prendre un bout de bois, lancer le bout de bois sur l'échelle. Ça va la faire descendre. Et ensuite, on va pouvoir manipuler la machine pour prendre le moteur et le placer à son juste endroit. Donc voilà, on prend un bout de bois. On retourne dans la caserne. Ou dans la tente, je sais pas trop. On vise tout simplement l'échelle. Et puis, une fois fait, on va pouvoir monter et s'occuper du moteur. Donc, vous cliquez sur A sur la console. Et puis ensuite, vous déplacez le joystick. Vous dirigez le joystick vers le bas. Ça va permettre d'agripper le moteur. Vous remontez le moteur avec le joystick en haut. Et ensuite, eh bien... vous faites de même, vous redescendez le moteur dans son compartiment et ça y est, on a réparé l'avion et donc on a débloqué le succès en lien avec cette prouesse technique. Alors, prochaine section pas forcément évidente. En fait, votre personnage avance quoi qu'il arrive, voyez. Et en fait, vous devez, par un habile jugement, soit faire avancer votre personnage pour qu'il aille plus vite, soit le faire reculer pour que, voilà, il soit pas trop en avance, on va dire. Le but étant, effectivement, d'éviter les bombes, vous l'aurez compris. Donc, c'est à vous de juger, de jauger même la vitesse à laquelle votre personnage avance. Je vous le répète, de toute façon, quoi qu'il arrive, il avance. Donc voilà, soyez prudents, je vous montre comment faire et essayez voilà, de ralentir aux mêmes endroits que moi ou de courir aux mêmes endroits que moi. En gros, de toute façon, je cours, quoi qu'il arrive. Alors, pour ceux qui ont joué au premier épisode, vous vous souvenez, il y a un succès où vous devez éviter les obstacles avec la voiture. Là, c'est pareil, sauf que bah on est dans un avion, voilà. Et qui dit avion, dit forcément, on le sait, hein, c'est connu, aigle, missile et autres avions. Donc voilà, ici, il va falloir éviter donc ces trois obstacles. Par chance, j'ai envie de vous dire, le schéma est répétitif dans le sens où c'est pas de l'aléatoire. Vous avez simplement à mémoriser effectivement où vont surgir les ennemis et ensuite bah voilà, vous pourrez faire ce succès. Je vous conseille vraiment de le faire ici parce que c'est évidemment l'endroit le plus facile. Il y a encore deux autres endroits où vous pourrez obtenir votre succès, mais voilà, dans le dernier, il va y avoir des missiles, des tirs de roquettes, il va y avoir de la foudre, enfin bref, c'est vraiment très compliqué. Donc le succès, je vous conseille vivement de le faire ici. Je vous montre à peu près comment faire. Vous pouvez effectivement voir pareil. Par chance, on a assez de temps, vous le voyez, hein, quand un avion surgit pour pouvoir se décaler. Restez toujours à maximum central pour pouvoir vraiment partir haut, bas, gauche, droite. Et ensuite, voilà, obtenir votre succès. Le but étant de ne vous faire toucher par aucun ennemi, que ce soit, donc, comme je vous ai dit, hein, les avions, les aigles ou bien les tirs ou les missiles. Donc voilà, mémorisez bien, faites de même, faites comme moi et on obtiendra donc ce succès ensemble. Despite his haphazard flying,
George managed to pinpoint the enemy's location. He relayed the information to Freddy, who then launched the strike on the enemy cannons. But despite the triumph of reclaiming Vimy Ridge after 3 long years, their victory was marred by the dead bodies strewn across the hillside. While Europe was torn apart by war, the U.S. had begun a massive mobilization in what many believed could permanently change the tide of the war. Aboard the USS Pocahontas was a racially segregated unit, the Old 15th. Made up almost entirely of African-American soldiers. These men were sailing to Europe, ready to put their lives on the line, to prove their love for a country that didn't always love them back. Dear Freddy, we're on our way to France. This is our first night at sea, but don't worry, me and the boys are ready. Speaking of the fellas, I lucked out, and I'm getting on good with a fine bunch of them. There's Fidgety Lang Edwards, who never puts down his drumsticks. Jack Harris, our medic from Chicago. Hey. Joey Brass is from Harlem and plays a mean banjo. And Chef Caldwell is always cooking up stuff for us. We just have to make sure to get served before B.B. Johnson. Great guy, but he could really put it away. Well, I gotta go now. Practice is about to start, and there's no jazz band without a clarinet. Stay safe. We'll see each other soon. Your brother, James. Autre succès, ici, musical, où il faudra faire un sans faute. Donc vous le voyez, j'appuie en fait sur la touche correspondante bien avant que le cercle ne touche la lettre à laquelle sur laquelle je dois appuyer. Donc en l'occurrence, c'est A. Vous avez dans le deuxième niveau, c'est peut-être un chouïa plus rapide, mais il y a beaucoup moins de notes. Donc si vous n'y parvenez pas ici, eh bien vous pourrez le faire dans le niveau 2. Pareil que pour l'avion, c'est assez répétitif et ce n'est pas du tout aléatoire. Donc voilà, vous pouvez mémoriser si vous vous loupez. Donc vous voyez, moi j'appuie sur le B bien avant que le cercle soit trop proche de mon B ou de mon A. Donc là ça se corse un peu parce que maintenant il y a le Y qui va rentrer en ligne de compte, puis le X, voilà, et puis vous devez être assez rapide dans le sens où vous voyez que des fois il y a plusieurs lettres qui apparaissent sur l'écran et c'est celui qui arrive presque en premier vers la lettre sur laquelle vous devez appuyer, voilà. Donc je sais pas si je suis très claire, mais en gros voilà, c'est assez, c'est un jeu où il faut être assez logique, assez et puis rapide. Et surtout avoir vraiment de bons réflexes. Voilà, c'est surtout ça que je cherche comme terme. As the Pocahontas continued to cross the Atlantic, their encounter with the German U-boat 155 brought them ever closer to the fight. Entering the battlegrounds of the war, their ship was spotted by Ernst. May 31st, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war,
Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here, below the surface, that he scavenged, hoping to eke out a living. Ici, c'est pas moins de 4 objets que l'on va récupérer dans un navire échoué au fin fond de la mer. Et puis, on aura également le succès Homme-Grenouille pour avoir mené à bien cette mission. Donc voilà, suivez-moi parce que voilà, il y a certains collectifs qui sont un peu difficiles d'accès et je vais vous montrer comment faire. Et on commence tout de suite avec notre premier objet. Vous voyez, il scintille un peu sous la boîte. Donc, c'est parfait. On va tirer la boîte, récupérer l'objet. Le but étant donc de mettre la boîte en métal sous l'échelle afin d'accéder à l'étage supérieur. Ici, nous allons actionner le levier pour que la boîte en métal puisse s'effondrer et ainsi créer une brèche dans laquelle nous allons pouvoir nous y enfoncer. Vous voyez donc le collectible ici en hauteur, donc comme tout à l'heure, hein, on va pousser la boîte sous l'échelle, grimper et ensuite attraper notre 10e collectible. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de partir au niveau de la porte. Et puis, on va mettre en place, vous voyez, ce bloc. Parce que une fois qu'on va grimper en hauteur, eh bien, on va pouvoir redescendre par le bas et récupérer le collectible qui se trouve juste ici, le casque de scaphandre. Donc, on va déjà mettre en place ces blocs. Et puis ensuite, on grimpera gentiment. Ici, vous allez donc passer par la porte, grimper l'échelle. Vous avez un levier à récupérer, donc un peu plus loin, voilà, juste ici. Donc récupérez bien le levier. Et puis, vous voyez, vous allez sauter et on va atterrir là où nous avions poussé les deux gros blocs, ce qui va nous permettre de récupérer le scaphandre. C'est parfait. Vous allez ensuite descendre, tirer le bloc vers la droite afin de dégager et accéder à la porte. Et ensuite, on va refaire tout le cheminement pour pouvoir ensuite monter à la grande échelle
placer l'évier, le levier, pardon, pas l'évier, placer le levier et ensuite pouvoir ouvrir la porte métallique. Dernier collectible, ici au sol, donc on va pouvoir le ramasser, notre 12e collectible donc, et ainsi le dernier de ce niveau. On va ensuite continuer à partir sur la gauche, et puis récupérer le fameux chandelier que notre personnage a vu dès le début, et ensuite conclure et obtenir le succès de Homme Grenouille. Ici un succès où nous devons sauver tous les marins qui se trouvent dans la mer. Donc petit truc, vous allez d'abord lancer les bouées à tous les points d'exclamation et ensuite les faire monter sur le navire. Mais d'abord nous allons récupérer un collectible, ici le 13e. Et une fois fait, eh bien on attrape une bouée avec A et ensuite on les lance à chacun des marins dans la mer. Et une fois fait, eh bien, on les monte à bord du navire. Pourquoi ? Parce que sinon, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour le faire.
As his boat settled on the seabed, Ernst began to come to terms with the war's inevitable, all-consuming power. Defeated and alone, he could feel the Jutland waters' cold embrace tightening around him. Stranded for hours in the aftermath of the Battle of Jutland, Ernst was starting to feel his grip slip away. But when the merchant sailors aboard the submarine, the Germania, came to his aid, they not only saved Ernst's life, they also took him in as one of their own. In them, Ernst found kindred spirits and instantly felt right at home. But even at home, you have to carry your weight. Schnapps and Vamps? Schuba, Hotta! Ici, simplement deux objets à récupérer et puis nous obtiendrons le succès. Je participe, il n'y a rien de bien méchant, il n'y a rien de bien significatif. Simplement, voilà, il faut participer un petit peu aux tâches ménagères qui sont attribuées à Ernest sur le bateau. Donc voilà, on va s'y atteler, mais voilà, rien de bien compliqué, vous verrez. Clé à molette donc, qui est notre premier collectible du niveau. Et puis ensuite, on va aller parler à ce monsieur qui nous demande très gentiment où est passé son bout de tuyau. Donc on va récupérer le morceau de tuyau et ensuite jouer avec la valve à vapeur afin de faire fonctionner tout ceci. Ici donc on va jouer avec la valve à vapeur, vous voyez vous avez le fameux L qui se déplace et puis on va faire connecter ces deux parties afin de pouvoir faire fonctionner le tout. Vous lâchez la valve ensuite avec A et puis ensuite on va gentiment monter l'échelle, vous voyez que le passage s'est débloqué, super, donc on va monter à l'échelle et puis on va pouvoir récupérer ensuite notre 15e collectible. Voilà, donc pour mettre fin ensuite à cette mission, eh bien on doit interagir avec le périscope, mais vous voyez, on n'arrive pas à interagir grand-chose, donc on va partir sur la gauche, parler à ce monsieur qui nous demande maintenant de pouvoir regarder dans le périscope ce qu'on fait, donc on a fait un peu un aller-retour, tant pis, c'est pas grave, et là maintenant, on va pouvoir donc interagir avec ce fameux périscope et ensuite obtenir finalement notre succès. Je participe. The U.S. had remained neutral, allowing for business as usual. Despite trade blockades, the few merchant submersibles in existence, like the Germania, were still able to trade with them. Working the Baltimore docks at the time, was surprised to see the submarine pull into port.
fighter. Hey. Huh? No! Wait this! Yo, kick. Ici, dans ce niveau, il va falloir rapporter des outils à James, 2 en l'occurrence. Et puis ensuite, il nous demandera un objet bien particulier qu'on lui apportera également, ce qui nous permettra d'obtenir le succès que la musique commence. Et puis, vous, évidemment, vous êtes au courant, hein, il y aura évidemment des collectibles à ramasser tout au long de ce niveau. Et on commence avec le tout premier. Il y en aura 3, donc voilà. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ceci. Vous l'aurez également compris, il faudra pour obtenir les objets faire diverses missions et aller prendre d'autres objets. Donc, ça tombe bien, on va ramasser ici notre deuxième collectible. Et puis, pour obtenir le tournevis, eh ben, on va parler à ce fameux monsieur qui va nous demander évidemment quelque chose en échange. Donc voilà, hein, je vous l'avais dit, évidemment, on n'a rien sans rien, rien n'est gratuit dans la vie. Belle leçon de morale. Donc pour obtenir ce fameux tournevis, il faut l'échanger contre une pipe. Et ça tombe bien parce que cette pipe, elle se trouve à l'étage en dessous, là où nous avions les fameux tuyaux, donc on va y aller. Maintenant, vous interprétez James, donc vous allez prendre le fameux tournevis et essayer de bricoler la console. Vous voyez que la planche descend un tout petit peu, mais voilà, c'est pas suffisant. Donc là, maintenant, il vous demande la clé anglaise et puis, vous êtes pas ignare, vous savez pertinemment que cette clé anglaise va demander un autre service. Donc pour ça, on va se diriger vers le cuisinier. Donc, pour une raison qui m'échappe, le cuisinier a une clé anglaise sur lui. Bon, bref. Ici, on a un collectible, donc on va le ramasser. Et puis, vous voyez que le cochon, il est coincé derrière un filet de vapeur. Alors là, ça me semble tout à fait logique que le cuisinier réclame un cochon. Donc, on va devoir jouer avec la fameuse valve, vous vous souvenez, pour pouvoir ensuite faire s'échapper la vapeur dans un autre endroit et ainsi libérer le cochon. Une fois que le cochon est libéré, c'est génial. On va pouvoir retourner prendre cette fameuse clé anglaise.
Hi. James. Here you go. You got clarinet. Voilà, James, il est triste, hein, il a perdu sa clarinette. Mais attendez, comme Ernst, moi je me souviens d'avoir vu une clarinette dans le navire. Donc on va pouvoir aller la récupérer et on va la lui donner et ainsi obtenir notre succès. Que la musique commence. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Die musica. Yes. Voilà, ici vous avez une deuxième opportunité pour obtenir le succès oreille musicale. Si jamais vous n'y êtes pas parvenu plus tôt, donc je vous rappelle juste les consignes. Vous voyez les cercles qui s'approchent gentiment des touches. Le but étant de les activer bien avant que le cercle ne touche le cercle, le rond bleu plutôt. Parce que sinon, voilà, ça va compter comme faux. Le but étant, encore une fois, de faire un 100% perfect. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Vous relancez la section. Ou bien, vous attendez un petit peu plus tard. Parce que, comme je vous ai dit, dans le jeu, dans le chapitre 2, il y a une partie qui est un peu plus facile. Puisqu'il n'y aura qu'une trentaine de notes. Donc voilà, pas de panique. Encore une fois, il n'y a rien d'aléatoire. Donc les notes sont toujours les mêmes. Dear Freddy, I'm glad to hear you're doing good. I hope you won't be upset with me, what with the war and all, but I recently met a German, and we really had a lot in common. It turns out Ernst is a damn good musician. I'm proud to say he's become a friend. We promised each other that when this war is over, me and Ernst will play together. I intend to keep that promise. Your brother, James. The Germania's voyage was a commercial success, and her crew returned eager for their next trade. But their triumphant return was interrupted by the German Imperial Navy. As the sole German national aboard, Ernst was conscripted to fight. The submarine, too. By decree of the Kaiser, the Germania was henceforth ordered to hunt convoys in the Atlantic. Ernst was faced with a grim choice: torpedo the Pocahontas and kill his friend, or disobey a superior's direct order and risk being put to death. He had chosen to save his friend, but knew it would only be a matter of time before he was ordered to kill again. In 1917, St. Menehould Hospital.
Doctors and nurses alike tried in earnest to patch up swarms of broken bodies and wounded psyches. Anna, the Belgian nurse, battled every day against the war to save soldiers. Donc, on retrouve notre chère Anna pour ceux qui la connaissent déjà. Ici, dans cette section, il va falloir venir en aide aux soldats blessés. Et puis, vous le voyez, dans certains gestes techniques, eh bien, il faut être assez rapide. Par exemple, l'application du bandage. Vous voyez, tout en haut, il y a du temps qui s'écoule. Si on n'y parvient pas, bah, malheureusement, le soldat décède. Le but étant, évidemment, qu'il puisse quand même survivre. Donc voilà, on va venir en aide à toutes ces personnes-là. Et puis, on va aussi ramasser quelques collectibles. Ne l'oublions pas, le plus important. Et puis, ensuite, nous ferons un succès qui s'appelle guérisseur parce qu'on sera venu en aide à quelqu'un dans l'ambulance. Ici, on va anticiper parce qu'un des soldats va réclamer une bouteille de scotch. Je pense que ça doit être une bouteille de scotch. Donc, on va ramasser cette fameuse bouteille. Et puis, nous allons ensuite nous diriger vers la gauche pour donner cette fameuse bouteille à ce soldat qui en nécessite grandement. Vous voyez, l'infirmière nous dit, c'est par là. Donc, on se dirige vers là et ensuite vers le collectible ici au sol, une seringue. Et puis ensuite, vers la droite pour donner cette fameuse bouteille de scotch. Ou de désinfectant, je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, vous le voyez, il faut enlever les morceaux de verre. Alors, c'est pas très précis avec le joystick, mais en gros, vous devez vraiment, quand vous enlevez le morceau de verre, mettre le joystick vers le haut, le plus haut possible. Parce qu'après, ben voilà, malheureusement, le morceau de verre retourne dans sa plaie si vous ne l'enlevez pas suffisamment haut. Et le soldat, ben voilà, risque d'y passer. Sometimes Anna could heal the soldier's ailments and put them on the path to recovery. Other times, it was a matter of alleviating their pain and merely postponing the inevitable. On this day, a rare ray of hope pierced the gloom of the hospital grounds. Finally, with the arrival of new medical equipment, technological progress would be used to help the wounded of war instead of producing them. Surprised to see her dear friend again, Anna handled each of the wounded soldiers with care. She couldn't wait to speak with Freddy and catch up on old times. Pour l'obtention du succès guérisseur, eh bien, vous l'aurez compris, il faudra faire donc les soins et les soins techniques et les gestes techniques le plus rapidement possible dans le temps imparti avant que le patient ne décède. Donc voilà. Faites ça de manière consciencieuse, comme une vraie infirmière, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc faites vraiment tous ces soins dans le temps et vous obtiendrez le succès guérisseur. Succès obtenu, bravo. Donc là, on va partir sur la gauche pour ramasser notre deuxième collectible du niveau. Et ensuite, on va gentiment se diriger vers la droite pour entrer dans l'école. Et vous l'aurez compris, eh bien, comme tout à l'heure, il faudra venir en soin aux différents soldats qui le nécessitent. Alors, on l'a vu, hein, le soldat de gauche réclame une écharpe pour pouvoir mettre le bras en écharpe. Et celui de droite réclame la bouteille de scotch. Donc je pense que le soldat précédent, c'était plutôt une bouteille de désinfectant. Mais à culpa. Enfin bref, du coup, nous allons nous occuper de la bouteille de scotch. Et pour ça, on aura besoin du chien. Donc pour l'activer, vous appuyez sur B. Et ensuite, A ou X, selon ce que vous lui demandez de faire. Ici, on va lui demander de récupérer la clé. Donc c'est parfait. On va pouvoir ouvrir la porte. Comme ceci, grâce à la clé. Aller un tout petit peu plus loin et puis on va de nouveau demander au chien de monter, d'appuyer sur A pour aller récupérer la fameuse bouteille de scotch.
rien, mademoiselle. C'est bon. Pas mieux. Courage, Nibon. Allez. Voilà. Bien, courage. Nous allons maintenant nous occuper du patient qui nécessite une écharpe. Donc pour ça, on va reprendre un peu le même chemin, à la seule différence que nous allons ensuite monter. Et en montant, on va également récupérer un collectible. Donc ici, nous sommes effectivement dans le grenier. Vous voyez, on ne peut pas accéder à l'étage parce que voilà, il manque un bout d'échelle. Donc on va pousser le bloc. Et puis vous voyez ici un collectible. Donc c'est parfait, on va le prendre. Et puis ensuite, cette échelle va nous permettre d'aller sur le toit. Et ensuite, continuer notre aventure. À gauche, nous allons récupérer le collectible et à droite, nous allons pouvoir récupérer l'écharpe. Reunited, Anna and Freddy both took solace in the bonds of friendship. Hearing the bombs fall, Anna knew they had struck the heart of a populated civilian area. Anna! Always quick to act, she drove off to help the wounded. Cinq objets ici seront à collectionner. Le tout premier se trouve tout au fond à droite. Et puis dans cette section, il va falloir venir en aide aux femmes qui sont blessées, leur apporter des soins. Il faudra faire preuve de logique dans cette section parce qu'il va falloir activer des plateformes et on aura également beaucoup besoin de notre ami à quatre pattes. Deuxième collectible qui se trouve là tout de suite sur votre droite. Donc numéro 2, on va pouvoir ensuite continuer notre aventure et monter dans les étages supérieurs. Vous l'aurez sans doute compris, le but ultime de cette section, c'est de venir en aide à ces femmes. Et pour cela, il va falloir soulever la ferraille.
Évidemment, il nous manque le levier et on va pouvoir du coup le récupérer tout au long de notre cheminement. Ici, nous allons ensuite nous diriger vers la gauche et puis commencer à actionner les premières plateformes. Donc ici, vous allez actionner le levier pour faire descendre la plateforme, puis avec B et enfin X, vous allez demander à Walt, notre ami à quatre pattes, de venir se positionner sur la plateforme. On va remonter le chien. Et puis, nous allons partir sur la gauche. Et sur la gauche se trouve une clé qui se trouve sous un pont relativement bas. Et donc, c'est notre ami Canidé qui va venir récupérer la clé. Cette clé va nous permettre d'ouvrir une porte. Derrière cette porte se trouve une femme dont il faudra venir en aide et puis notre 26e collectible. Ici, nous devons faire en sorte que Walt aille sur la plateforme qui est tout à gauche. Dessus se trouve une clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Donc, on va d'abord faire monter Walt sur la plateforme et le faire passer de plateforme en plateforme. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va faire revenir Walt auprès d'Anna. Anna va ensuite passer ce fameux trou avec l'aide de la plateforme, casser le tonneau et puis déverrouiller une porte. Vous l'aurez compris, qui dit clé dit porte, porte collectible, qui dit porte dit également blessé. Ici, faites attention, juste avant de monter sur la rampe, il y a un collectible, donc on ne le voit pas très bien. Et puis, si vous continuez votre chemin, eh bien, vous voyez qu'il y a un levier juste ici qui est à récupérer. Et c'est pareil, il va falloir faire preuve de logique en appelant Walt à différents moments pour pouvoir récupérer ce fameux levier. Là, vous voyez que Anna ne peut pas passer parce que les tonneaux la bloquent. Donc, il va falloir appuyer sur le levier afin de créer une sorte d'escalier grâce à la plateforme et permettre à Anna d'aller un petit peu plus loin dans la suite de son histoire.
Nous avons donc récupéré le levier grâce à Walt et on va pouvoir maintenant manipuler le treuil afin de soulever la ferraille et de sauver ses femmes et obtenir le succès. On va y arriver. Seeing the Zeppelin creep toward the bomb factory, Freddy feared the worst for Anna. He hopped on his motorbike and raced to join her. Anna! Freddy arrived just in time to see Anna emerging from the debris. She had once again put her life on the line to save others. December 27th, 1917. The Pocahontas arrived in Brest, France, to a celebratory welcome. Unknown to the old 15th, the decision had already been made to use them only for combat service support. They were not to see battle. Desperate for soldiers to fight, the French pushed hard for the newly arrived 15th to join them on the battlefield. They were eventually successful. The old 15th would fight under the French banner and be renamed the 369th Infantry Regiment. The Americans were once again outfitted as soldiers should be, then paired up with a French counterpart. They would now all fight together. Trois collectibles sont à récupérer sur cette section. Comme on en est déjà au numéro 28, ça tombe bien. On va pouvoir débloquer le succès à ceux qui sont tombés, qui consistait à en collectionner 30. Si jamais vous en avez loupé un ou deux, pas de panique. Moi, je vais tous les récupérer, donc vous aurez largement de quoi faire. Dans cette section, rien de bien compliqué, hein, il suffit simplement de faire du troc puisque chaque personne va vous demander quelque chose en échange avant que notre ami James rejoigne les tranchées. Donc vous avez vu, on a récupéré le 29 collectible tout là-bas au fond à gauche. Et puis ici, c'est très important de prendre une boule de neige. Pourquoi cette boule de neige? Parce qu'on va aller distraire notre ami gardien ici afin de pouvoir récupérer une bûche et ainsi rapporter le premier élément à la sorte de cuisine mobile. En partant sur la droite, vous voyez, on a la réserve de pommes de terre, mais malheureusement, il nous faut la clé. Donc, pour ça, pas de panique, on retourne sur ses pas en arrière. Et puis, un petit peu plus loin ici, vous le voyez, il y aura une sorte de montée, une porte où on va monter. Donc, on va prendre ce chemin-là. Et puis, pénétrer dans la tente parce que derrière se trouve un passage. Pas tôt.
Donc ici, vous allez parler à ce personnage qui va vous remettre une lettre. Cette lettre a un destinataire bien précis. Il se trouve vers la réserve de patates, ça tombe bien. Et ici, nous avons donc collecté notre 30e objet et obtenu notre succès à ceux qui sont tombés. Encore une fois, pas de panique, si vous en avez loupé un ou deux, je vous montre les 51 collectibles présents dans ce jeu. Ainsi, vous avez de quoi faire. Voilà, la lettre est remise, on va pouvoir maintenant piquer une pomme de terre et le rapporter à la cuisine mobile. Et ensuite, on va s'attaquer au dernier collectible et au couvercle pour pouvoir finaliser cette section. Donc, vous avez vu, ce dernier nous a donné la clé. Cette clé va nous permettre d'ouvrir la réserve de patates. Donc, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette réserve. Ici se trouve donc le missile tant demandé et puis le dernier collectible. On va rapporter ce missile, on ne sait pas trop pourquoi il en a besoin, j'espère que c'est pour une bonne cause. c'est la guerre en même temps. Donc rapporter ce missile à la personne qui va pouvoir nous donner enfin le couvercle. For James and Freddy, the long-awaited reunion was a powerful reminder that neither time nor distance can erode the extraordinary bond of brotherhood. The general mood among the 369th Infantry was one of camaraderie and shared purpose. Anna joining them for a last meal before heading back to Vimy was finding it particularly hard to say goodbye to Freddy. Section relativement cool, hein. Vous incarnez donc du coup James et puis là, eh bien, tout simplement aller vers la droite pour apporter la nourriture vers les autres soldats. Donc voilà, la droite, encore toujours la droite. En plus, il y a des soldats qui vous aident en vous disant c'est par là. Donc, suivez le chemin, hein. Their renewed optimism was soon dashed. By nightfall, everyone in the 369th would be reminded of the perils this war had in store for them. Arriving in Vimy, Anna was now ready to begin her new assignment, training British medics. Meanwhile, George was developing photos taken during his reconnaissance missions. But tonight, the quiet peace of the dark room was broken
by a barking Walt. Ici, mission à la Assassin's Creed, il va falloir se cacher, poursuivre ce bonhomme louche et mystérieux qui a à la main quelque chose de louche et de mystérieux. Bref, n'avancez pas trop près de lui et puis utilisez bien les cachettes. Si le personnage voit le chien, c'est pas grave, le plus important c'est qu'il ne vous voit pas à vous. Voilà, parce qu'un chien, qui va se méfier d'un chien? Personne. Donc voilà, avancez prudemment, laissez-le prendre de la distance et puis dès que vous voyez qu'il disparaît un peu de votre champ de vision, à ce moment-là, avancez prudemment. Ici, donc, il va falloir se débrouiller pour rejoindre l'homme louche et mystérieux à travers le souterrain. Donc, on va beaucoup utiliser aussi Walt. Et puis, on va récupérer également des collectibles. Celui-là, vous voyez typiquement, on ne peut pas le prendre à l'heure actuelle. Il suffit simplement de casser la porte et puis vous aurez quelque chose à déplacer. Donc, vous allez demander d'abord à Walt d'aller prendre un caillou, ce qui va nous permettre par la suite d'abaisser l'échelle, et puis avec ce bloc là, eh bien on va monter pour récupérer notre 32e collectible. On va maintenant pouvoir abaisser l'échelle grâce au caillou que Walt a récupéré dans la section précédente. Abaisser l'échelle donc, et puis vous voyez en haut à gauche, il y a un casque qui est donc notre deuxième collectible de la section. Et puis par la suite, nous partirons sur la droite. Donc, vous voyez ici, il y a un obus qui nous obstrue un petit peu le passage. Et un obus, ça n'explose pas comme ça. Il va donc nous falloir un petit caillou. Pour ça, pas de panique, on va emprunter la porte, aller tout à droite. On va ressortir de cette section. Vous voyez le personnage louche et mystérieux là, il est en bas de nous. On va grimper à l'échelle. On va ensuite récupérer un petit caillou. Et puis, de là, nous allons pouvoir taper l'obus qui va donc, par conséquent, ouvrir le passage et on va faire machine arrière pour pouvoir prendre cette porte tout à droite. Mmh.
Vous voyez, il est tellement mystérieux et louche qu'il a même une musique en son honneur. C'est pour vous dire. Hein. On va descendre l'échelle. Walt va descendre par cet orifice-là. Et puis, on va demander à Walt, du coup, on va rien lui demander du tout. On va récupérer, pardon, le dernier collectible. Comme auparavant et comme dans les Assassin's Creed, il va falloir donc vous cacher de tous ces soldats qui patrouillent. Donc utilisez bien les cachettes qui sont mises à votre disposition. Et puis on a un peu cette chance là que si le soldat sort de notre champ de vision, et bien voilà, on a une sorte d'aperçu caméra sur lui. Donc on sait exactement quand est-ce qu'il revient. Donc voilà, c'est pas la section la plus compliquée en soi. Soyez juste vigilants, prenez votre temps. Et puis tout se passera bien, hein? Ici, on va envoyer le chien récupérer une bouteille de vin et puis nous allons balancer cette fameuse bouteille derrière le soldat afin de pouvoir détourner son attention. Alors, notre Georges doit passer cette fameuse porte en bois, mais vous l'avez peut-être remarqué, hein, il manque la manivelle. Et cette manivelle, elle se trouve tout au fond sur la droite. Donc, il va falloir aller la chercher en évitant ce soldat. Il y aura également notre 35e collectible. Et puis, une fois qu'on a installé la manivelle, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent et rapide pour pouvoir déverrouiller la porte tout en faisant toujours attention à ce soldat.
Donc, nous allons maintenant partir sur la gauche, et puis on va utiliser les portes ouvertes, les sortes de cabanes, pour pouvoir se faufiler à l'intérieur et éviter les soldats, parce que vous le voyez, ils font d'assez grands trajets, et donc voilà, comme on a un visu assez bien fait dans le jeu, on va pouvoir se cacher à l'intérieur de ces petites maisonnettes, attendre que les soldats passent, et puis ressortir pour continuer notre chemin. Pareil qu'avec la bouteille de vin auparavant, on a ramassé un petit caillou et de la même manière, eh bien, on doit le balancer derrière le soldat pour détourner son attention et ainsi passer. Pour réussir votre évasion comme tout à l'heure, il faudra user des cachettes qui sont à disposition pour vous évader. Alors ne vous en faites pas, si vous vous faites attraper, il n'y a aucun problème, hein, vous obtiendrez quand même votre succès. Évasion audacieuse. Pensez à bien rentrer dans cette cachette car se trouve le 36e collectible, le deuxième de cette section. As George headed back toward Allied lines, he snapped a photo of the massive movement of enemy troops and weapons. Deuxième opportunité ici d'obtenir votre succès ailier. Ici, évidemment, vous l'aurez compris, ça se corse un petit peu plus. Les ennemis, les balles, les avions vont évidemment
surgir de manière plus prompte et en plus grand nombre, mais pas de panique, voilà. Si jamais vous avez de la difficulté, mémorisez bien, parce que je vous le rappelle, ce n'est pas du tout de l'aléatoire, ce n'est pas du tout du random. Donc voilà, mémorisez bien les trajets et la position de votre avion pour pouvoir obtenir ce succès si ce n'est pas déjà fait. But he wasn't out of danger just yet. Seeing his German plane, Allied forces started opening fire. Upon landing, George was placed under arrest on suspicion of espionage. Fortunately, he was able to back up his story with proof. Spring 1918. With the Brest-Litovsk peace treaty signed, German fighting on the Eastern Front came to an end, freeing up troops for advancement to the Western Front. A series of offensives were launched, pushing the Allied lines to the breaking point. The last of these offensives was launched near Saint-Menehould. For James and the 369th, the long-awaited opportunity to prove themselves had finally come. Let's go! Ici, comme dans la vraie guerre, j'ai envie de vous dire, il va falloir éviter les bombes et les tirs d'ennemis, comme lors de la Première Guerre mondiale dans les tranchées françaises. Donc ici, il va falloir faire preuve de précaution, de prudence, d'observation, parce que même, vous le voyez, les palissades en bois peuvent malheureusement céder et vous exposer au tir des ennemis. Donc voilà, soyez prudents et puis faites preuve de retenue. Trappolo. Trappolo.
Section de troc, encore une fois, dans le creux ici, votre 38e collectible. N'oubliez pas que, voilà, si jamais vous n'avez pas obtenu votre succès à ceux qui sont tombés, eh bien, de ne pas oublier de le prendre. Pour les perfectionnistes comme moi, voilà, bah, prenez-le, voilà. Et puis, on va se diriger, donc ici, vous le voyez, il y a la fameuse caisse à grenades qu'on va rapporter. Et puis, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous pouvez être exposé au tir parce que les palissades ne sont pas franchement très résistants ou solides. Il va falloir faire preuve de grande prudence ici puisque vous avez une cage, un cageot même, une caisse même entière de missiles. Donc voilà, faites bien attention de rester le plus possible caché puisque si votre corps dépasse ne serait-ce que d'un millimètre, et ben voilà, hein, les ennemis vous tirent dessus. Et puis ben, vous vous rendez bien compte que comme la caisse est lourde, vous avez plus de peine pour avancer. Donc encore une fois, prudence. Avant de quitter notre cher sergent, il y a sur le sol derrière lui notre 39e collectible. Even though they had managed to hold the position, the 369th had paid a heavy price. Before leaving to care for the wounded, Anna made sure to give James and Freddy a long embrace, hoping this would not be their last. After a dreadful night fighting to stay alive, James and Freddy were blinded by the camera flash. Impressed by the troops' accomplishments, the American press gave them the nickname Harlem Hellfighters. Their brand of music was all the rage, earning them an invitation to perform in Paris. Thank you.
Dernière opportunité d'obtenir le succès oreille musicale. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est peut-être le moment où il y a le moins de notes possible, mais qui vont s'enchaîner un chouïa plus vite comparé au chapitre 1. Donc voilà, si vous n'avez pas encore obtenu votre succès, que vous êtes assez agile avec votre manette et vos doigts, eh bien ma foi, tentez de faire ce succès ici. August 8th, 1918. On land, Germany endured its darkest day of war. Knowing the Kaiser's demand for victory was unattainable, the German officers pressed forward, fighting for more advantageous positions at sea, in the hope of gaining leverage for negotiating a truce. Following a series of revolts by their troops, German command ordered naval captains to tighten their grip on sailors and quash any stirrings of mutiny at sea. Hearing about acts of insurrection, Ernst felt emboldened and decided he had to deactivate his submarine's torpedoes. Vous l'aurez donc compris, notre rôle avec Ernst sera de bousiller, de saboter la torpille. On commence tout de suite avec notre premier collectible sur les 5 présents dans ce niveau. Pour cela, quoi de plus marrant que d'ébouillanter les soldats qui nous bloquent le passage à l'aide de la vapeur, qui dit Ernst, apparemment, dit vapeur. Donc on va aller chercher le premier objet qui nous manque, à savoir la manivelle, et puis on va chasser les brigands qui se dressent sur notre chemin, et on va chasser d'abord celui-ci en premier, donc on va replacer le tuyau, et puis on va jouer avec la manivelle pour pouvoir l'ébouillanter à l'aide de la vapeur. Mais avant de s'amuser un petit peu, on va ramasser notre troisième collectible sur 5. Yeah.
Donc voilà, tournez bien la manivelle pour chasser le brigand méchant. Et puis n'oubliez pas de remettre ensuite le L dans sa position d'origine afin que vous, vous puissiez passer. Donc vous l'aurez compris, ici on va trouver notre quatrième collectible et un tout petit peu plus loin notre manivelle afin de pouvoir chasser le premier méchant qui nous bloquait le passage. Cinquième collectible, et ça y est, on est archi prêt pour aller bousiller de la torpille. Was happy to be alive, he again found himself in the crossfire of war and his freedom taken away. Now a British POW, his only consolation was being able to play his fiddle once more. September 26th, 1918. Determined to cut the German supply line, Allied forces launched the Meuse-Argonne offensive. For James and his fellow soldiers, this undertaking was bigger than any they had faced before. Soldiers on both sides steeled themselves for the whistle blow and the impending chaos of the charge. Their sole comfort being the unwavering support of their brothers in arms. Ici, vous l'aurez compris, vous devez faire en sorte que James évite les bombes. Donc voilà, dès que vous voyez un rond rouge entouré de noir, vous vous stoppez. N'oubliez pas le 45e collectible ici sur le petit muret. Si vous souhaitez amasser le 46e collectible, et bien voilà, il faut revenir un petit peu en arrière ici et puis ensuite repartir sur la droite pour la suite des aventures de James, toujours en faisant très attention aux balles des ennemis.
Au pied de Freddy se trouvent des cailloux, donc prenez-en un. Parce qu'un petit peu plus loin, il va falloir libérer le passage en détruisant un obus. Faites attention, restez toujours à couvert parce que voilà, les tirs d'ennemis vous exposent. Autre petit collectible, le troisième sur quatre. On va continuer à avancer et suivre Grand Frère. Pensez ici à prendre un caillou afin de libérer de nouveau un passage avec un obus, celui-ci qui se trouve juste au-dessus de vous. Toujours restez à couvert, faites attention. Et puis ensuite, on va pouvoir gentiment avancer. À nous de jouer, il va falloir faire avancer la caisse. Vous vous rendez compte évidemment, comme tout à l'heure, hein, qu'elle est lourde, donc il faudra être assez prudent et rapide en même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, et puis l'amener tout au fond sur la droite. Faites bien attention. Dernier collectible de cette section, tout en haut de cette échelle. Freddy, barely able to get the words out, pleaded with James to lead the men and continue their push forward with the offensive. Reluctant to leave him behind, James complied. Dans cette section, comme George lorsqu'il courait derrière son avion, James avance de manière automatique. Donc je vous rappelle, accélérez tant que vous le pouvez. Et puis dès que vous sentez le danger approcher à ce moment-là, mettez votre joystick en arrière vers la gauche afin de faire ralentir votre personnage. Alors, comment dire, je vous conseille vivement d'avoir fait le succès allié bien avant parce que ici,
Nom d'un chien, c'est très compliqué. Vous avez des missiles, des avions, la foudre qui apparaît, des tirs, enfin bref, un gros boxon quoi. Donc voilà, si vous aimez le challenge, bon bah j'ai envie de vous dire let's go quoi. Mais c'est peut-être pas le niveau auquel vous devrez penser, vous devriez penser si vous envisagiez de faire le succès ailier. Flying in such stormy weather would have been a challenge for any skilled pilot. Even so, George had decided to brave the storm and risk his own life to save his friends. Stunned to see her dear Freddy suffering, Anna quickly got to work. Urgence, ici Anna, bah, vous l'aurez compris, doit impérativement sauver Freddy et ce le plus rapidement possible avant le temps imparti. Courage, vous pouvez le faire. Stay with me. You're all right. Stay with me. Come on, Freddy. Come on. Come on, stay with me. Wonderful. After 4 long years, Freddy's injuries had ended his fight. Always the one to protect others, he would now be the one in need of care on the slow road to recovery.
Despite his wounds, he remained in good spirits thanks to Anna by his side every step of the way. With Freddy out of commission, James took over as squad leader. For the Harlem Hellfighters, the experience on the ground remained brutal, and the memory of their fallen friends ever present. At that very moment, news of the truce being signed between the German and Allied forces made its way to the front. Anna was sent to relay the good news without delay. Dernière section où nous avons des collectibles, les trois derniers. Ici, c'est pas bien compliqué, hein. Le chemin est assez linéaire avec Anna. Le but étant de monter à la cathédrale pour tirer les cloches, sonner les cloches même plutôt. Donc ici, premier collectible, et puis ensuite, vous partez sur la gauche. Voilà, tous les collectibles ont été ramassés, bravo, 51 sur 51. Ici, vous allez interagir avec la corde, vous voyez qu'elle se casse. On va donc demander à notre cher ami Walt d'aller nous ramasser un caillou. Ce caillou va nous permettre de pouvoir abaisser l'échelle. On va grimper sur l'échelle et puis ensuite on va récupérer de nouveau un caillou, grimper sur la deuxième échelle et enfin tirer le caillou sur la cloche afin de la faire sonner et annoncer donc l'armistice et donc obtenir notre succès en lien avec le signal de paix. And just like that. At the 11th hour, on the 11th day of the 11th month, the war suddenly stopped. Bells rang all over the country, spreading the good news. The war was finally over. Seeking a new life far from the devastation of Europe, Anna and Freddy set off to make a home in the United States. Pending the outcome of the Treaty of Versailles, Ernst was still being held captive in France as a POW, forced to do hard labor. Thanks to George's flying and active valor, the RAF accepted him as one of their own. After being duly rewarded the Croix de Guerre by the French military, the Harlem Hellfighters were once again placed under American command. And while the Harlem Hellfighters prepared to return home, James and Lang Edwards volunteered to help the Service of Supply clean up the battlefield. Ernst? Ernst! James! Yes, sir. Et
ici, eh bien, c'est pas très compliqué. Vous allez avancer vers la droite et puis sur le sol, vous aurez des objets. Vous allez devoir interagir avec eux. Ceux-ci vont déclencher des souvenirs et vous verrez à ce moment-là les clins d'œil au premier opus. Et une fois que le souvenir a disparu, vous allez simplement le mettre dans la brouette et ainsi obtenir à la fin le succès Trêve amère. Et ainsi, terminer le jeu. Je vous laisse apprécier ce moment. Dear James, I'm not sure where or when this message will find you, but please know that I've made every effort to contact you. The day had started so well. We were on our way to buy furniture for our home. When some men told us we couldn't shop together, Freddy argued with them. Men are coming! And it ended badly. Freddy! Hold on, Freddy. Come on, Freddy. Don't leave me. Ici, il va falloir simplement effectuer un massage cardiaque. Donc, pour ce faire, eh bien, ce sera joystick gauche vers le bas. I couldn't save him. No, no, no! Freddy! No! I'm including the letter he intended to mail you. I'm sorry to share this horrible news. Your friend, Anna. Dear James, I hope you're doing fine. I can't wait for you to come back home, and I bet you're feeling the same way. I'm sure you're keeping everyone in good cheer with those sweet melodies you play on your clarinet. I never imagined romance would come back into my life, especially during a war. But Anna and I are both enjoying a fresh start. None of this would have been possible without you. Your optimism and infectious spirit brought me back to life. It's also been such a joy to see you mature into the man you've become today. I'm so incredibly proud of you. With all that you've accomplished, I know now there are better days for us, for people who look like you and me. I'm certain that the future you and so many others fought for will become a reality. P.S. I hear there's going to be a parade in honor of those who served during the war. You should be home by then.
and I will be right by your side. See you soon, little brother. Freddy. Despite heroic efforts during the First World War, it would take nearly a century for the Harlem Hellfighters to finally get the recognition that they earned with their lives, their dignity, and their valiant hearts. And like so many other people dragged into this war on all sides, we should honor both the remembered and the forgotten, whose lives were indelibly altered, ruined, and far too often lost in the machinery and fate of the Great War. Belle histoire comme le tout premier opus que je vous conseille encore une fois vivement de le faire si vous ne l'avez pas fait. On passe par la suite du menu. Il nous manque le succès, le savoir, c'est le pouvoir. Pour ça, bah voilà, vous allez dans collection, les fées, et puis vous les lisez tous du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le rond rouge disparaisse et se transforme en blanc. Et puis comme ça, vous aurez terminé le jeu en un peu plus de 2 heures si vous regardez toutes les cinématiques sans les passer. Et voilà, 1000 G pour Soldat Inconnu, Frère d'Armes. Félicitations, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce guide. En tout cas, pour ma part, ce jeu reste une véritable pépite. Et encore une fois, je vous encourage à faire les 2 opus en espérant qu'il y en ait un 3e. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.